Oui, non, là. Je suis trop loin. Je dois m'approcher. On tire plusieurs d'un coup et puis hop. Pourquoi j'ai lancé un trait de l'ombre, c'est pas grave. Je touche 2% par mob. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 50 mobs à tuer. Pas vu ma vie, je vais drainer hein, parce que sinon merci pour le coup de pouce les gars. J'ai un truc là. C'est pas pour maintenant. Je suis hors de portée. Je suis trop con, j'ai pas entièrement régène. Mais ils ont des résistances de bâtard par contre. Aïe. 52%, on est à plus de la moitié. Oh là 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 là, cet enfer. Je dois d'abord choisir une cible. Cet enfer, cet enfer. On est presque à 60%. Je suis hors de portée. En fait, c'est entre 1 et 3%, j'ai l'impression que ça rapporte les mobs.
crois qu'il faut en tuer entre 40 et 50. L'enfer, cet enfer, j'en peux plus. Aïe 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 aïe. C'est passionnant ça en vidéo, tiens. Bon, après, on a bien progressé au cours des deux derniers épisodes. Hein. On avait fait tout le tout l'arc draconique et rêve, là. On a. Donc là, bon, bah, on est dans une phase chiante. On est dans une phase chiante, c'est tout. Ça arrive. Ça peut pas être glorieux tout le temps. Hein. C'est. On va retourner voir du côté du gardien là-bas. On est à 66. Oui. Il nous faut absolument un petit gain de corruption. Hop, voilà, là c'est bon. Là j'ai mon score qui augmente, là je suis à 69%. 70. Yes. Ça, c'est le bon plan, ça. Je vais retourner voir au niveau du solar machin. Là, il y a du monde. Là, il y a l'air de se passer des trucs. Je vais arriver à balancer mon sort. Et bon. C'est du score, ça, c'est bon ça. Hop, 6%. Hop. Reviens toi. Hop, 6% en exploitant l'agro des mecs de l'Alliance. Ici, je. Ça me dit qu'il y a quelque chose, mais je. Ah! Attendez. Activation. D'accord, ok, il faut que j'active tous les. Je comprends pas bien. Il y a l'air d'y avoir un code. Ok. Et là. Ok, admettons. Oh, il y en a trois. Ah, attendez. Trois, quatre et deux. Il y en a que deux. Pas compris.
Moi je propose on attend là. Parce que ça doit être le bon plan quand il apparaît, il invoque des monstres, on les bute et puis ça a l'air de marcher plutôt bien. Et puis il y a souvent des mecs qui débarquent pour aider, donc je pense que c'est le bon plan de rester là. Sauf qu'il a l'air de mettre du temps à repop. Je suis trop loin. Le voilà. Ah, par contre, il a pas l'air de. De faire plus de dégâts que ça. Je dois d'abord choisir une cible. J'ai l'impression que je gagne pas forcément de. Ouais, si, si, si. Je gagne 1% à chaque mob que je bute en fait. Alors j'essaie de modérer mes dégâts justement parce qu'apparemment. Voilà. C'est quand il reçoit un certain nombre de dégâts qu'il invoque des alliés. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Faut le provoquer de façon à ce qu'il invoque des. À ce qu'il invoque des mobs en fait. Et puis c'est ça qui va générer un maximum de pourcentage. Bon, 82%. Ça va? Ça va, ça va, ça. Non, je suis passé de combien? 76 à 82. C'est pas si dégueulasse que ça, hein. Je dois m'approcher. Une attaque de ce mob. Bon, en attendant, on va attaquer les autres. Merde, attendez. Ah oh, merde, je devais faire un. Attends. J'ai un appel urgent à passer. J'ai oublié, j'ai un appel urgent à passer. Donc là, juste après, là, je m'envole, je passe un appel et je suis à vous. J'en ai pour 2 minutes. Putain, mais 1% quoi, alors que les mobs, ils sont. Ils sont durs leur mère à tuer quoi. Hop. J'en ai pour un instant et je reviens. Excusez-moi, hein. Voilà, je suis de retour. Cette fois-ci, c'est bon, plus d'interruption pendant encore 40 minutes. Après, j'arrête le tournage. Donc, 40 minutes, et j'espère qu'on va avoir le temps de finir cette quête de mort. Ouais, je lui fais beaucoup de dégâts là.
Hein? Pourquoi il est revenu là? Okay. J'ai pas compris pourquoi il était revenu là, full vie. Ok, c'est bon. Il a appelé des copains. Non. Ses copains viennent pas. Si, ça y est. Tant que ça arrive. Il a fait tomber mon bouclier. Bon. 90%. Ça a été le démarrage qui a été long surtout. Oh! Non, c'est lui ça. Ouais, c'est lui. Ok. Là-bas, il y a des adversaires, mais il y a un A2 juste à côté. Il va casser les murs, là. Oula. Oula là là là. Oula là 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 là. Oula là 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 là. Oh ce bordel. On va s'éloigner un peu de ce merdier, hein. Non, tu t'approches pas de moi avec tes grandes épées, toi. Oh, on est marre au bout d'un moment, hein. Alors, c'est une petite gamme de corruption là, voilà. Il me faut une cible. Ouais, oh, hein. Je ne peux pas emporter Eh ben, hé, 7%, j'ai fait 7% sur ces attaques-là, Je ne quoi. peux pas emporter plus. J'ai fait 7%. Plutôt sympathique. Il me reste 3% et c'est bon. Eh ben, et voilà mes 7%, mes 3%. Regarde, hop. Regarde, ouais, même, c'est même plus simple que ça. Hop, j'appuie là.
Et vu que j'ai infligé les dégâts, de toute façon c'est validé, là je vais avoir les 3%. Par contre je vais juste m'éloigner un petit peu parce que... 99. 100%. Sabatok. C'est le mec là-bas, c'est ça? Non. Je sais pas qui c'est, je sais pas où il est. Ça, je sais pas ce que c'est que cette quête de vieux alliés. Le portail des grottes du temps vers Orgrimmar. Non, ça. Je sais pas. Je sais pas. On va rester là juste le temps de voir. Je sais pas qui est le zozo que je dois tuer, où est-ce qu'il est, je sais pas. Si je vais par là, je suis toujours dans les clous. Moi je verrais bien, je verrais bien par là. Putain, il y avait encore masse.fr par là. Attendez. C'est dehors ou c'est à l'intérieur? Putain, il était là. Ok. Et donc là... Là, il y a le commandant en chef. Non, c'est pas lui. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est... Bon, c'est optionnel. Donc, aller parler au capitaine, je sais pas. On va attendre juste que le mec là, il résout. On va proposer à nos alliés. Voilà, quelques. D'ailleurs, j'en ai plus sur moi. Quelques pierres de soins. Comme ça, si quelqu'un veut se servir, il peut pendant, je crois que c'est 2 minutes qu'il reste le puits d'âme. Ça va, 2 millions de points de vie, on l'aura défoncé avec les autres là. En 2 secondes. Ok.
Une nouvelle coupure de courant? Non. C'est juste le jeu caramé. J'ai regardé la température de ma carte graphique aussi. 70%, ça va, c'est toujours. Alors attendez. Normalement, j'ai un truc. J'ai un logiciel. C'est ça. Attendez, attendez, mais je me suis planté de côté, je suis débile. Je suis à Tanaris là. Et mon logiciel de contrôle de ventilateur ne s'est pas lancé. Parce que j'ai un logiciel qui me permet d'augmenter la vitesse de mes ventilateurs de PC. Là, ça y est, il s'est lancé. J'ai même lancé plusieurs fois en fait. Ok. Hop. Bon, on va attendre un petit peu. Alors. Voilà, ça souffle un petit peu plus. Voilà. Ok. Excusez-moi, hein. J'aurais dû faire ça bien avant. Attaquez-les chaque fois que vous le pouvez, mais ne perdez pas de vue l'objectif. Et concentrez-vous sur les champions ennemis. Alors, je sais pas si résultat vous allez entendre mes ventilos souffler parce que résultat ben ils ont accéléré. Moi je les entends en tout cas. Ok. J'espère que c'est important. Assez bavardé. Dites-moi vite. Bien, ok. Détruisez les serviteurs de Nzot. Hop. Y a-t-il des nouvelles? Notre peuple Dan fait a notre peut-être trouvé force. Un moyen de relancer la forge des origines. Retrouvez-nous à la chambre du cœur dès que possible. Ok, bon. On progresse, on progresse. Mais ici, c'est un sacré bordel. J'ai l'impression que c'est un croisement de chemin entre l'Alliance et la Horde et. C'est un peu un enfer. C'est carrément un enfer même en fait. Ouais mais non, de toute façon ça servira à rien, il n'y a pas de fly à Silitus. Du moins pas de fly qui permet de le prendre sans mourir. Parce qu'en fait il y a un fly mais dans l'ancienne version et on peut toujours le prendre mais si elle n'est pas chargée, ben on meurt tout simplement. On meurt de dégâts de chute.
Excusez-moi, je regarde. Hein. Ah bah, j'ai. Et je viens de gagner 10 degrés sur ma carte graphique juste en accélérant la vitesse de mes ventilos. Donc c'est bon. Je fais 61 degrés. Hop. Excusez-moi, il est là. Autant pour moi. Vous revoilà. Voyons ce que Dame a pour nous. Forge bloquée en fonctionnement limité. Recommandation, rediriger l'énergie d'installation compatible. Ainsi, les dégâts ne sont pas irréparables. La chance nous sourit. N'Zoth n'est pas du genre à employer la force brute. Mais toutes les autres forges tournent déjà à temps plein pour protéger Azeroth. On ne peut pas trouver l'énergie ailleurs? Les plans indiquent que le moteur de Nalak'sha et la forge des origines sont compatibles. Bien, faites vos valises, on dirait bien qu'on part en Pandarie. Cool. Notre monde a besoin de nous. On se remet au boulot. Alors, aux dernières nouvelles, les caveaux Mogushan étaient surtout étaient toujours abandonnés. On ne devrait pas avoir trop de mal à atteindre le moteur, vu qu'on a déjà zigouillé les gardiens Mogu posté sur place. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allons réactiver cet engin. Mogu, ça me fait toujours rire. Parce que c'est... retrouver Maggie Barbe Bronze à l'extérieur du caveau Mogushan au sommet de Konlai. Ok. Protégeons, se retrouve à l'entrée des caveaux. Ce que les Mogu, c'est comment? C'est un mot utilisé par les brouteurs sur internet pour dire un pigeon, quoi. Donc, c'est. Alors, la Pandarie. Pour aller en Pandarie, on va passer par. On va passer par Zuldazar, puis Orgrimmar, puis on va prendre le portail pour la forêt de Jade, je crois. Excusez-moi, comment ça bâille là? En même temps, on va essayer de faire ça, puis après, je vais m'arrêter là. Par là.
Alors, notre objectif. Ah, eh, bien sûr. C'est pas. Bah on va aller à Zushin. C'est ce qu'il y a de plus proche. On va essayer de faire ça en 20 minutes. Bien, bonjour. Ah, je l'ai pas. Donc, Temple du Tigre. J'ai pas pris le fly de Zushin. Ok. Je pensais. Ouais. Temple du tigre blanc. Alors, si je dis pas de bêtises, de toute façon, ici en Pandarie, je peux voler. Oui. Donc, direction le nord. Pareil, j'ai jamais réussi, je crois, à battre un des boss ici. Faudrait que je le fasse. Ça a l'air d'être là. Faites attention, il y en a un qui bouge encore. Illustre orateur, j'ai à vous parler. Hein? Voilà qui n'est pas banal. Ok. Ah. Attends, on se pointe, on a déjà buté tous ses potes dans le scénario Pandarie, même si nous on l'a pas vraiment fait. Vous êtes des alliés de l'orateur. Il faut arrêter les mantides, les empêcher de s'emparer des caveaux. Vous devez aller voir les miens. Vous passez devant. Il faut agir vite, les mantides. Oh, mon coup de malheur. Ces caveaux appartiennent à l'impératrice. Vos alliés mourront avec vous. Mani, ça te dérange pas de d'aider éventuellement? Putain, puis j'ai pas mon marcheur. Non, puis ils peuvent verrouiller mes pouvoirs en plus. Attends, ils se régènent en plus ces enfoirés là.
des dégâts, lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on rentre. Non? Trouver mon clan. Bonne affaire, ouais. Ravi de vous voir. Notre monde doit être soigné. Alors, le défunt Mogu tient dans sa main un cachet, symbole du clan mystérieux auquel il appartient. Si vous parvenez à remonter leur piste, les autres membres du clan vous en diront peut-être davantage sur l'invasion des Mantides dans les caveaux Mogushan et sur le meilleur moyen d'en venir à bout. Le chroniqueur Sho est réputé à travers toute la Pandarie pour ses vastes connaissances. Peut-être pourra-t-il vous renseigner quant aux origines du cachet Mogu. Apportez le mystérieux cachet Mogu au chroniqueur Sho au siège de la connaissance dans le Val de l'Éternel Printemps. Eh ben, on va se balader. Si ceux de son clan sont comme lui, peut-être qu'ils seront disposés à nous aider. Je connais rien aux emblèmes claniques des Mogu, mais je parie que le chroniqueur Sho aussi. On se retrouve au siège de la connaissance. On va en profiter, je vais aller prendre le fly de Zushin. Bonjour. Hein? Le serpent de jade vous guide. Oui, bah, sentir des deux lunes, quoi. Parlez-moi de vos voyages. Non, Binan, c'est plus près. Que les brumes vous protègent. Ouais, sentir les deux lunes, c'est très bien. Bonjour. La prochaine est pour moi. Ouais. Les flys sont passionnants, hein. Ah. Ram. Ouf. C'est quoi cette ambiance? Il s'est passé des choses ici. Il s'est passé des choses ici. Ouf. Le cycle se perpétue. Ouais,
l'ambiance a bien changé ici, hein. Faut que je rentre là-dedans ou... Non, c'est au-dessus. Ah, vous voilà. Quand de nouvelles menaces pèsent sur la Pandarie, ces héros font un retour triomphal. Ce sera sûrement un grand moment d'histoire, mais assez bavardé. Que puis-je faire pour vous? La Pandarie vous souhaite la bienvenue. Adieu. Vous dites qu'Amogu a sollicité votre aide, voilà qui ne le ressemble pas. Je serai ravi de vous aider à retracer les origines de ce cachet. Pour tout vous avouer, l'éventualité qu'un clan Mogu qui ne soit pas ouvertement hostile m'intéresse au plus haut point. Songez plutôt aux possibilités que cela nous offrirait. Mettons-nous au travail, nous allons devoir consulter les ouvrages consacrés aux divers clans Mogu du Val afin de réduire le champ de nos recherches, aider le chroniqueur Shaw à découvrir l'origine du mystérieux caché Mogu au siège de la connaissance. Ayez le pied léger. Comme vous le savez, les clans Mogu ont été réunis par le roi tonnerre, Laïchen, ressuscité. Après sa chute, les Mogu se sont éparpillés et ont recommencé à se faire la guerre. De nouveaux clans sont nés de ce chaos. Ce cachet est peut-être celui de l'un d'entre eux. Cherchons d'abord dans mon exemplaire des maîtres des serpents. Il l'a posé où? Ah, d'accord, là-bas. Ok. Les anciennes commandent à la tempête et aux serpents, et beaucoup voient en eux le clan dominant, même si les autres ne sont sûrement pas de cet avis. Mais il n'y a rien là qui corresponde à notre mystérieux emblème. La réponse sera peut-être dans le pouvoir du sang. Les Dokani sont des maîtres de la magie du sang. Ils animent de puissants engins de guerre avec l'énergie vitale de leurs victimes. Mais il n'y a aucune ressemblance. Voyez si vous trouvez un exemplaire de la volonté de pierre. Les Baruk sont obstinés et fiers. Ils exploitent les esprits des morts pour en animer les statues de leurs ruines et en faire des soldats immortels. Mais le cachet n'apparaît pas ici non plus. Est-ce que ça pourrait être un clan que nous ne connaissons pas? Oui. Origine des Mogu. Bah, c'est la Côte d'Ivoire. Pardon. Ah, il est là. À l'origine, les Mogu servaient les Titans comme gardiens et bâtisseurs. Ceux au service de Raden étaient appelés les Rajani. Formidable! Ce cachet correspond à celui des Rajani.
comment un clan si ancestral a-t-il pu être reformé, et quid de Raden? Ok. Gardez les yeux ouverts sur les leçons à apprendre. Maintenant que nous avons une meilleure idée de ce qu'il nous faut chercher, reste à découvrir où les trouver. Les Mogus étant en conflit permanent, il y a fort à parier que chaque clan sache précisément où se cachent ses rivaux. C'est en mettant la main sur ce genre d'enseignement que nous débusquerons les Rajani. Cherchez les champions Mogus, ils sont les plus à même de détenir les rapports et les positions de leurs ennemis. Récupérer un rapport de reconnaissance Mogu sur les Mogu du Val Éternel Printemps. Que le serpent de Jade. Moi, je reste ici avec le chroniqueur pour voir ce qu'il sait sur les tabous. Bonne chance avec les Mogu. Malheureusement. Alors, malheureusement, je vais devoir mettre fin à cette session de tournage ici, maintenant. Alors, peut-être qu'on est en plein milieu d'un épisode, et pour vous, donc, je continuerai donc, dans quelques secondes pour vous. Mais pour moi, je pense que peut-être plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines, vont s'écouler. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ou à tout de suite. C'est selon.